Bonsoir Daline. Bonsoir Justin. Bonsoir Médinien. Bonsoir Elise. Bonsoir Daline. Bon, après-midi, nous sommes vraiment contents pour nous sous panel là, dans le cadre. Sommet ça qui est vraiment spécial. Un sommet qui est plus ou moins habituel. Et à l'époque, nous sommes dit que le désespoir d'invitation, c'était physiquement. Donc, après-midi, nous avons pour nous non seulement parler de l'ancien pour Haïti tout, mais nous avons parler de contexte enseignement avec trois ambassadeurs. Bon, c'est une là d'ailleurs. Donc, avec nous ici, Daline et Médinien. Passer directement avec mon activité de mise en train parce que nous parlons d'enseignement en CEPO Haïti. Donc, nous ne pouvons pas faire enseignement sans nous parler d'une mise en train, c'est pour qu'un testimonio, pour motiver ou apprentissage. Donc, nous venons enchanter dans CEPO Haïti, c'est un seul de pas magique à la loupe. Donc, nous ne pouvons pas dire, bon, c'est pour chanter, c'est un hymne parce que tout ancien leader qu'on est, c'est presque le premier chanter ou première activité, il montre testimonio lorsque vous entrez dans la salle de classe. C'est un seul de pas manger calalou, de Dali, de Mesguin, bon, c'est maestro. Mm-hmm. Peut-être n'a commencé. Après toi, mes parents ont fait soprano. Mm-hmm. Ok, donc moi, c'est basse. On a commencé après 4, 3, 4. Un seul de pas manger calalou. En pile pied bois, toujours fait forêt. Un seul nous fort, ensemble nous fort. L'union fait la force dans tête ensemble. Yon seul doit pas manger calalou, en pile pied bois, toujours fait forêt. Yon seul nous faible, ensemble oui nous fort, l'union fait la force dans tête ensemble. N'a participé, n'a participé, n'a participé ensemble. N'a collaboré, n'a collaboré, n'a collaboré ensemble. Merci David, merci Médinien, bon, c'est maestro, merci. Ok. Pour commencer, on commence avec qui est-ce? Médinien, ok, merci. Les femmes d'Aro, à tous seigneurs, tout honneur, donc merci Médinien. On commence avec Daline. Daline, bien rapidement, dis-nous qui ça, en CEPO Haïti, y est pour vous? Merci Justin pour la question. En CEPO Haïti, pour moi, c'est une source de motivation. Donc, depuis que j'ai eu la chance de rencontrer le programme, je connais que c'est un mouvement qui rentrer dans le système éducatif là pour un changement de qualité, pour nous gagner une éducation de qualité. Donc, en CEPO Haïti, lié dans le développement professionnel. Moi. Donc, lié à vivre un paquet de choses que peut-être nous avons ignoré avant, qui c'est l'éducation. Et que si je viens de faire dans CEPO Haïti, ça a aidé à comprendre plus bien le système là et depuis là, ça m'engager jusqu'au bout pour nous gagner une éducation de qualité. Bon bagage, merci Daline. On a passé directement avec Mésinien. Pour les Mésinien, tu as même dit, parce que tu as même dit ambassadeur, qui ça? L'ambassadeur, qui ça? Est-ce que nous avons peut-être quelques consulats, on ne connaît pas. Parle-moi en gros qui c'est l'ambassadeur. Normalement, l'ambassadeur dans le mouvement CEPO Haïti, c'est un monde qui intègre le mouvement et puis qui fait 2 ans à suivre plusieurs modules d'enseignement et de développement professionnel. Et puis, après 2 ans, on a la possibilité de graduer dans le programme. Non? Mm-hmm. Il recevra un diplôme dans le domaine d'éducation. Le monde, ça, s'il devient un ambassadeur, on a le pour lui accomplir quelques engagements. Et le monde, va devenir un type ambassadeur. L'ambassadeur, c'est un monde qui, après 2 ans de programme, recevra un diplôme et puis qui entame un processus, qui accomplit quelques engagements, mais qui vient un titre qui est ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un représentant pour un CEPO Haïti. Bon, bah, je ne suis pas ambassadeur. Mon capacité, c'est pas essayer de pas ambassadeur. Oui, mon capacité, c'est pas ambassadeur, mais ambassadeur, c'est un monde qui finit le programme et qui prend ensemble des engagements et qui avance. Merci. Mais il y a une demande de Daline. Est-ce que ça veut dire que tout le monde dans CEPO Haïti n'est pas ambassadeur? Non, tout le monde dans CEPO Haïti n'est pas ambassadeur. Donc, dans CEPO Haïti, il y a une question d'échelle, de série d'étapes. Donc, premièrement, mon nan lycée ancien leader, l'elfin gradué kounya par rapport à et li gen série de obligations pour le remplir pendant l'ancien leader s'il voulait devenir un ambassadeur pour le venir ambassadeur. Donc ça que bel nan ambassadeur en CEPO Haïti, donc c'est pour bagaille juste fort cadeau, son bagaille au travail pour lui. Et ça qui plus intéressant encore, ou gen droit être ambassadeur année et puis l'autre année perd dit titre là. Donc si toutefois que obligation que vous gagnez, engagement que vous gagnez, ou pas rempli, ou fait négligence là-dedans, année ça, je suis ambassadeur, donc si année ça négligé, je vais perdre le titre. Donc c'est super intéressant. Eh bien, les gens qui gardent, ils ne sont pas automatiquement ambassadeurs? Non, pas bien ça. Il
faut travailler pour venir ambassadeur. Ambassadeur, exactement. Ok, on a continué avec la question. Tu as demandé à l'île que nous avons passé avec les Brésiliens. Et comment tu as venu dans ces cours-ci? Est-ce que, imaginez que nous avons peut-être un avocat, un médecin, qu'est-ce que vous pensez? Parce que nous disons éducation pour tout le monde, je veux dire éducation. Est-ce que tout le monde a peut-être intégré le mouvement ici-là? Très bien, merci beaucoup pour l'explication. Effectivement, nous, dans le cadre du mouvement ici pour Haïti, nous recevons tout le monde dans tout le domaine de Boutaï. Par exemple, vous parlez des avocats, vous parlez des médecins infirmiers. Nous prenons dans tout le domaine. Expliquez-moi, nous voulons intégrer le mouvement, nous voulons participer. Dans ça, nous avons comme vision, comme. Et l'objectif, c'est de permettre tout petit monde dans l'éducation de qualité, à côté de tout le monde dans le pays. Donc, si le monde a décidé de faire partie du mouvement, c'est pas le domaine de la famille de mouvement. Ok, donc ça résume bien qu'on parle de l'ESIWA, on est un porte-prince, vous êtes bon à vivre l'éducation, ça nous voulait. C'est ça nous voulait, que ça côté de tout le monde, il y a accès pour l'éducation de qualité. Deuxième question après Darline. Et Kounia, je pense que l'enseignant pour Haïti nous prend dans plusieurs domaines. C'est-à-dire que tout le monde, enseignant par enseignant, on a venu pour collaborer. Je ne sais pas. Mais nous, expliquez-moi pour qui ça a choisi ça. Merci, Yester, pour la question. Effectivement, nous recrutons dans tout le domaine. Nous sommes médecins, avocats, journalistes, infirmières, quelque chose dans le domaine. Nous expliquez-moi d'abord dans la philosophie. Nous avons l'objectif que nous avons atteint, c'est tout le monde possible de apporter la vie. Dans le dernier pays, tout le monde a besoin d'éducation de qualité. Et nous avons fait ça, nous avons fait ça sans problème d'apprendre des bras. Nous faisons ça pour ça. Parce que pour nous faire un changement dans notre pays, pour nous permettre que tout le monde ait une éducation de qualité, il y a besoin de support de tout le monde. Donc, nous avons fait un café de la vie, un support avocat, un support journaliste pour faire bataille médiatique, un support infirmière. Enseignant, on va travailler si vous êtes malade. Intéressant, intéressant. Il y a besoin de support infirmière, il y a besoin de support avocat, il y a besoin d'un système économique là, par exemple, il y a qui c'est économiste, il y a besoin de l'argent pour tout ça. Quelque part, nous avons expliqué que nous avons un point, d'accord, si nous avons un côté de notre pays, il y a besoin d'une éducation de qualité, nous avons un débat. Mais ma avancé là comme si non Darline, qui c'est économiste, donc c'est que le pape d'enseignement qu'on y a là, Darline, sort de la ça. Ok. En ce voici maintenant. Donc, c'est voici, c'est qui mène l'éducation qui est en dans la salle de classe. On n'est pas jamais maintenant tête en jeu que dans la salle de classe. Bravo, en ce voici. Donc, moi, merci, en ce voici. Donc, c'est une très belle expérience. Et donc, ça a interpellé tout en tant qu'économiste pour moi, problème qui gagne dans le système pour permettre que tout le monde collabore au moins pour. Nous sommes ambassadeurs, nous sommes économistes, nous sommes assez donc ça permet nous tout, quel que soit le domaine où il y a un plaidoirie, pour non seulement pour professeurs ou pour le bon rémunération qui mieux, qui adapté ensemble avec les services qui a bailli, donc infirmières, on connaît que santé, c'est important. Donc, quel que soit le domaine où il y a important pour porter support dans le système. C'est comme tu avais dit, pour te coller tout le monde pour l'éducation. Ok, maintenant, Kounia, bon, vous avez une question, moi, merci, Darline, ajout, bon bagaille. Kounia, la question que j'ai pour Darline, c'est, bon, on ne sait pas si je parle de 3K. On a dit K. Ok, 3K, donc c'est coutume et qu'il sait, puis communauté. Donc, comment, parce que je trouve notre genre, bon, pas petit drôle, mais quand même, en Haïti, nous connaissons qu'on parle que le français à l'école, ok, on a dit comme ça. Donc, c'est-à-dire que nous intégrer comme si coutume dans l'école, dans la salle de classe, tout le monde. Donc, expliquez-moi bagaille ça. Parce que ce qui passe dans le livre que nous avons utilisé, ça contenu pas dans le vécu de nous. Donc, si nous avons un livre qui est français qui a utilisé pour les Canadiens, donc nous-mêmes, nous sommes haïtiens. Nous avons une propre culture, nous avons une coutume, nous avons une propre pareil qui est dans la communauté. Peut-être que nous avons vécu l'attendre chaque jour. Donc, on y a.
pour permettre que l'éducation n'a pas allé, l'éducation de qualité n'a pas allé, donc faut en fait nous vivre ça et de là dans ça qui est réalité. Ok, bon bagay. Nous vivre tous les jours. Ok, avec nous. Par exemple, si on parle de colline, si ma font leçon qui gagne colline là-dedans, qui gagne mon, donc si mon yo majorité l'école yo monte en pimbo, le rivière pour venir l'école par exemple. Donc tout le monde s'est fait de son ensemble avec, c'est vrai, dans le livre qui gagne, son livre français, qui gagne des exemples. Peut-être neige. Neige, côté tout le monde en sorti, côté livre vécu, livre là, lui-même, côté lié. Donc tout le monde s'est fait de son, qui traverse ces rivières, qui monte le monde, donc on y a immédiatement fait de son, ça a passé. Donc l'homme de comment vient la carrière, comment vient l'école là par exemple. Il dit où il vient, il y a ce qu'on monte le monde. Donc, il doit faire le son là-dedans, il dit où il monte le monde, il descend le monde. Donc, le son, ça se vécu, Timon. Immédiatement, on fait le son, ça, Timon, il marche, il vient l'école, là, il monte le monde, il change les rivières, il doit faire le son qui vient à prendre ensemble avec ça. Timon, dans la communauté, c'est une ville, ça, plus facile pour Timon, retenir, qu'il ne va pas le parler, non, bagaille qui est en France, que le bas même qu'on est même, que même, on sait, on a une image en fait, même pas, ouais. Peut-être, ou même, tu vas connaître tout. Ok. Donc, d'accord, bon bagay, moi, et mes gens, à suivre avec attention, donc, m'a pris de le passer un mot. Ok, sous question. Alors, effectivement, Daline tellement dit un peu de bagay là, donc, moi, ce qui n'est pas d'abord, mais, papa, effectivement, dans ces fois, il y a une accent sur trois cas. Cultive, coutume, communauté. Nous voulons, les sons à faire dans sa réglation, ils sont adaptés à la réalité après nous. Ok, nous voulons que les sons adaptés à la réalité après nous. Donc, nous ne pouvons pas prendre les sons dans une zone bien rendue. Et puis, nous cherchons un exemple pour tout le monde, parce que nous avons un cas. Il est nécessaire, il est préférable pour chercher un exemple concret qui est dans la vie. Adapte. Un bon exemple, soit on a des sons qui parlent sur le mango, soit on a des chats après dans le vin de mango, ou pas. Soit on a des sons sur les avocats, on a des avocats. Donc, l'autre bagage, encore, nous avons mis en pile accent sur ça. Moi, je travaille dans la communauté du Balai. Et je fais une présentation de sons sur fort. Après expliquer à Bruno qui importance fort gain dans bataille d'indépendance pour que ça soit fait fort. Et puis dans la communauté là tout près nous on fort anglais. Et bien pour que ça passe nous organisons un déplacement après classe et nous mettons par autorisation direction autorisation de déplacer la dite fort anglais. Et pour nous automatiquement tu nous sens le dite fort anglais, leur parler de fort encore ils ont idée et les ça vous faire avec Bruno qui pour exemple concret pour faire vivre exemple, on fait vivre réalité. Bon, garantie les sons, ça sont les sons, après on n'a pas oublié. Chaque fois, ils passent dans un temps, ils sont ils font sortir avec les professeurs, bien, ils vont souvenir, ils font en photo, ils font anglais. Bon, garantie, réalité, ça, on va oublier. Et l'autre bagage, on a ajouté tout dans la salle de classe. Dans la présentation de son, nous mettons un peu sur le proverbe. Ok. Celle de ton manger caralou. Exactement, c'est là qui va, qui aussi en négliger. Donc, nous mettons en apprentissage avec, après, dans la vidéo, et on dit, on celle de ton manger caralou. D'aller vous saluer en haut. Un seul pied bois toujours. Un pied bois toujours fait pour elle. Souvent, il y a un peu parce que nous nous sentons importants, nécessaire pour nous utiliser dans le cadre à partir de ça. Et ça me a ajouté encore. Donc, il y a des compétences que besoin de développer quand tu nous n'as ou quand tu utilises un problème créole. Donc, par exemple, mais un pied de chat et pas. Peut-être bon, bon en classe là. Bon bureau pour le lever, donc on sait le monde qui ne doit pas aller. Mais quand on a quatre mettre ensemble, on va aller. Donc, si on parle de collaboration, donc on utilise le proverbe ça, et met un pile chai balou. Donc, n'importe ça, l'autre l'a fait là, elle a toujours besoin de collaborer ensemble avec, parce qu'on est, on sait ne pas manger qu'à la boue, mais un pile chai balou. Donc, ça va aider tout le monde à collaborer dans la salle de classe, on a supporté l'autre, etc. Ok, merci en pile. Moi, nous bien élaborer sur question ça. Mais qu'on y a l'embarras, essayer d'adapter directement avec non seulement le contexte par nous, COVID-19, et puis ensuite, tout yon MYT, bon, occasion sommet dans MYT année à qui, sans pareil, parce que c'était un bagage année passée qui était vraiment différent, contrairement avec année ci là. Donc, qu'on y a là, et donc, nous connaissons que thème nan lié directement avec question enseignement, mais tout question et télécommunication, outils technologiques comment qu'a intégré dans le cadre d'enseignement. Quand on t'a parlé avec mes amis, OK? Et comment bon enseignant Haïti même ou bien ambassadeur faire de crise ça, bon pour permettre que apprenant yo toujours peut-être gain information, qu'il ait contact avec comme si non seulement pas salle de classe parce que nous connaissons pas réunis, mais quand même et enseignement pas campé.
Et tu ne passes pas à apprendre, mais tout enseignant passe pas à enseigner, tout me garde dit. Donc, qui j'en sais pas, tu fais ça à lui-même. Effectivement. Et le moment ça, là, nous faisons face avec un sans pareil. Et c'est tout le secteur qui est victime. Donc, nous-mêmes, au niveau système éducatif, là, tout, on va évaluer. Et avec la question du coronavirus, côté tout le monde vit la caillou, enseignant pas qu'à travailler, après, on va qu'à l'école. Donc, nous-mêmes, au niveau enseignant pour Haïti, nous ne pouvons pas traiter des bois croisés. Mais normalement, l'un des enseignements, tout, pas forcément bien présence physique, là seulement bien classe. Mais enseignement capable de faire à distance, les capables de faire, ils vont se là par rapport avec les outils technologiques. Même si on a ça, on ne va pas arriver pour soumettre et physiquement. Donc nous faisons de façon habituelle et nous utilisons les outils technologiques. Même tout dans ces voies ici, malgré la crise COVID-19, là, on va traiter inactif. Okay. On va traiter plus l'activité. Parce qu'un leader, nous utilisons les moyens technologiques, les réseaux sociaux, WhatsApp, les utilisons téléphone, pour apprendre à gagner accès à téléphone, parce que nous connaissons, pas tout à apprendre à gagner chance. Oui, oui, dans quelques zones reculées, c'est tout. Utilisons les méthodes pour nous capables. Mais enseignant dans la communauté côté de l'OEA, malgré mon pas de réunir en pile, mais on fait tout ça possible, réunir deux ou trois apprenants, continuer à sensibiliser, parler avec parce qu'on a besoin de plus de sensibilisation dans le cadre du coronavirus. Donc, il y a enseignants qui participent dans des émissions radio qui font cette sensibilisation. Nous, il y a enseignants qui organisent leurs propres émissions par eux. Et une barre qui est plus importante de mettre l'accent sur les pandémies de COVID-19, là, le fait que nous connaissons apprenants où était la caillou. Donc, enseignants pour Haïti, des conseils avec enseignants leaders, radio et puis ambassadeur. Nous avons mis sous pied un programme qui est apprendre avec radio. Ok. Ok. Donc, apprendre avec radio, ça nous fait. Enseignants leaders, gradués, ambassadeurs, nous avons mis volontaires. Nous préparé plusieurs plans de leçons dans plusieurs matières différentes. Ok. Et puis, nous avons préparé sous format audio. Et puis, nous avons une collaboration, plusieurs stations radio dans plusieurs communes côté enseignants pour Haïti à Boulogne. Par exemple, Beaumont, Ibalé, Boucancaré. Dans Ibalé, nous avons une radio vision globale, dans Inchin, une radio voie paysan. Côté nous avons un rêve bien précis pour chaque zone ça, côté nous mobiliser par un travers téléphone, faire nous brancher, comme ça, il y aurait des temps de leçons, même là nous avons un enseignement et physiquement, comme je dis là. Mais quand même, bon apprentissage du fait, il y aurait été connecté, parce que nous connaissons chaque l'heure, tel jour qu'on est au rendez-vous avec radio, pour assurer, on apprend avec radio. Donc, le programme d'assaut, comme je mette sous pied, pour mettre que l'apprenant était concentré, il était connecté avec l'apprentissage là, malgré le facteur réuni. Et physiquement, mais le programme doit permettre que l'autorité connecté et de venir plus de feedback par un content parce que par un récent après on a déconnecté la caille. Donc là on vient un programme d'accès après la caille. Ok, bon bagaille. Et par contre, on va juste en bail d'Aline sous question. Hein? Ou apprendre tout donc. Donc pour tout le monde qui est là pour le temps. Donc parents ont tout apprendre. C'est vrai, pas de temps, mais immédiatement on connaît que yo seulement ça vient tourner en source de motivation pour sensibiliser tout le monde. Yo puis attendre l'émission, attendre. Donc au lieu de tout le monde courir dans la rue ou bien aller chita aller. Donc depuis l'émission, donc tout parent, même si on parle à chercher un téléphone, il est tout le monde dire ça. Attendre l'émission, c'est vrai, c'est oui. Ok, donc c'est un gros moment, c'était un rendez-vous, ok, apprendre avec Adieu. Donc, bravo, c'est pour ici. Et nous pas le fini. Même si tu as dit que nous avons un lien, et là, nous avons un période de crise, nous avons un lien qui est entre, comme c'est différents domaines, nous avons intégré dans ces points avec l'éducation. Là, nous avons fait appel avec journalistes. Bon, ok. Quand il y a la question, nous pas le fini. Ça, c'est la dernière question que poser nous, parce que nous fatiguer tout. Et, ma prend question d'avant avant là Daline. OK, ma prend Daline. Et Daline, je pense au gain 2 ans passé 2 ans passé dans ces pour Haïti et peut-être ou ambassadeur avec gain fini 2 ans ou peut-être en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bon. Kounya là, dis-moi qui ça qui marque ou, c'est-à-dire un bagage comme c'est qui vraiment important pour en termes d'expérience que vous faites dans ces pour Haïti parce que m'apprend que vous êtes économiste. Bon, ou économiste, vous connaissez vine en ces pour Haïti change, vous avez chambardé et carrière professionnelle. Qu'est-ce qui est marqué dans ces pour Haïti? Merci, Justin, pour la question. Bon, il y a un peu de bagaille qui marque dans ces pour Haïti. Donc,
Ancien pour Haïti, pour moi, c'est un deuxième famille. Ok. Donc, avec Ancien pour Haïti, nous presque des familles dans tout le pays. Mm-hmm. Dans tout le pays. Donc, ça qui marque le plus, c'est que dernièrement, ma bande juste en illustration, en bagage qui était vraiment marqué. Côté que notre travail, même, on travaille juste dans l'eau. Mais dans l'école, pour nous allons en côté que les oh boy. Oh boy. Donc, c'est nous-mêmes qui avons cherché côté pour nous dormir, soit nous avons choisi de dormir dans l'hôtel, ou bien chercher un côté qui est sécurisé. Donc, je me réfléchis, je me demande, ouais, bah, le boy, il va nous classer, le boy, mais oublier si nos familles qui est dans cette ok. Et puis, pendant que je suis réfléchi comme ça, et puis l'idée me frappait son ancien leader qui n'a assez pour Haïti, qui c'est mon boy. Et puis, elle me dit comme ça, moi, le boy. Il dit, oh la caille, ok, donc c'est intéressant. C'était vraiment intéressant. Il me dit comme ça, là, on pas besoin de faire tout problème. Mes numéros de téléphone, mes contacts. Moment, on passe au boy, là, on passe free. Ok, bon bagaille. Elle me dit, va prendre mon nom, donc pas apprendre ensemble avec mes collègues. C'est pour Haïti, elle me dit, c'est comme si son famille, mon nom, t'es qu'est-ce qu'on aime. Donc, il recevra normalement, pas de problème, rien, tout déplacement, nous supportons des choses. Ok, donc, vous êtes au boy. Ok, intéressant. Bon, c'est une relation familiale qui gagne, donc qui gagne dans ces droits ici, donc son bagage extraordinaire. Ok, bon bagage. Et je pense, bon, mes amis ont ajouté tout le monde pour la même question, mes amis, un bagage qui marque. Il y a un bagage. Je connais quand peut-être Gampil, mais même Jabaline, bon, nous y a un bagage qui marque pendant un moment assez pour ici. Normalement, on va aborder l'exemple rapidement. Et il n'y a pas de marque qui m'empile dans ces droits ici. Moi qui quitte la communauté, je suis de Port-au-Prince, je suis allé à Mal vu que dans 40 paquets, nous ne pas de et nous ne pas rencontrer dans ces droits ici. Aujourd'hui, je l'ai dit, dans ces droits ici, moi, c'est une famille. Parce que je ne vais pas considérer collègues qui dans ces droits ici, les en 2017, comme collègues ou comme amis. Je dis à ces frères seuls. Donc, c'est vrai qui marque dans ces droits ici, c'est vivre ensemble, collaboration. C'est un sang qui existe pendant ces voies. Ça, c'est une barrière qui m'a fait pamper. Une barrière qui m'a fait encore, c'est témoignage parent. Ok. Au travail dans la communauté, ou bien travail, après nous, à la caille, quand je dis mon papi, mais comment c'est un travail. Quand c'est témoignage que je reçois, quand c'est mon qui vient visiter mon école là, ils n'ont pas un capteur qui habite dans la communauté qui part et mi balais, des ministères de travail, ils vont apprendre à l'école dans la communauté mi balais maintenant. Il y a une zone qui se marche pas. Si nous avons un matin, normalement, on s'en fait. Il tient à ce qu'un jour, il faut venir, même il va venir le bagage de rencontrer avec. Parce que pour le venir, il faut venir qui est censé en salle. Il y a la vie de l'ancien salle. Donc, ça, c'est une barrière qui marque. Par un autre reconnaissant, témoignage par un, ça, c'est une barrière qui marque. En pile, c'est quoi. Ok, nous allons finir. C'est vraiment la fin. Et par contre, si n'a pas ajouté un dernier mot, bien rapide, Daline et puis Mésilien. Donc, bien rapide, n'a pas ajouté pour moi un dernier mot. Ma prend Daline pour finir. Ok, un dernier mot. Merci, Justin. Donc, dernier mot, c'est mot de remerciement que m'a adressé ensemble avec Staff Ansevo a été dépensé ensemble avec Emo pour présentation ça. Donc, il m'a une possibilité de son fierté pour moi de madame de sont fiers de nous pour parler de l'université pour Haïti. Donc, enseigner pour Haïti est élémenté dans la carrière professionnelle. Donc, tous leurs collègues, tous leurs amis, toute leur famille professionnelle enseigner pour Haïti. C'est vrai, le système n'a pas de problème. Mais tant que le proverbe que l'a dit, travail là en problème et en pile. Solution possible. Solution possible. Effectivement, dernier mot par moi, c'est le mot de remerciement aussi. Donc, je vais vous donner un chapeau bas pour le staff et moi ici, pour les travailleurs pour réaliser dans le pays. Et ensuite, nous allons remercier un CEO Haïti qui était choisi pour parler ça avec nous, pour nous être capable de parler d'un CEO Haïti. Et moi, je vais remercier un CEO Haïti tout par rapport avec tout ça, moi aussi, pendant la période de mon CEO Haïti dans un développement professionnel. J'ai commencé à enseigner avant CEO Haïti, mais après, je suis sur le développement professionnel, je suis venu à l'autre enseignant. Et pas de merci, nous sommes anciens leaders. Donc, moi, c'est différent déjà avant. Donc, c'est grâce à ces voies. Je vous dis à une vraie connaissance. Bon, bon, chapeau. Ok, d'accord. Merci, merci Daline, merci Mésilien. D'abord, merci aussi avec Staff Haïtien qui fait
staff en CV Haïti, qui a été modérateur pour nous asseoir. Bon, oui. Après, dis-moi si ambassadeur en CV Haïti aussi. Donc, et ensuite, nous ne pouvons pas aller sans nous pas non seulement féliciter, remercier et moi ici qui essaie d'adapter le papa avec circonstances. Donc, c'est vraiment difficile. D'habitude, faire application en ligne, inviter dans quelque hôtel dans la ville pour passer. Bon, c'est pas concerné. Donc, c'est une bonne manière pour comme si nous pas laguer. Donc, nous toujours lancer activité qui a rapport avec et dès chaque année qui est toujours faite. Et si nous n'avons pas de prince. Donc, c'est déjà, même mot de la fin. Donc, merci à moi, Haïti. Merci, Daline. Merci, Mésilien. Donc, voici la campagne. Ok. Merci. Bonsoir.